savoir tes droits, savoir un tas de choses, il n'y avait pas beaucoup de gens qui pouvaient te renseigner, tu vois. Et donc, moi, j'ai contacté l'APF et il y avait une assistante sociale à l'époque qui m'a bien dirigée. Éventuellement, on peut les rediriger vers le CLIC ou vers n'importe quoi, mais au départ, on les aide. On a une expérience personnelle, tout ce qu'on en est, parce que chaque personne qui a un handicap, c'est différent. C'est différent. T'en as comme mon mari qui sont hémiplégiques et qui ont des petits problèmes cognitifs. T'en as d'autres qui ont juste un problème, ils peuvent pas se déplacer tout seuls. T'en as d'autres, c'est suite à des maladies. C'est tout différent. Si tu veux, les gens qui sont handicapés sont regardés comme des ovnis, quoi. Enfin, c'est quoi ce truc? Et toute façon, et si jamais ils ont un peu de difficulté à parler parce que ben, y a un truc qui est débranché, on les prend pour des idiots alors qu'ils comprennent tous très bien. Tu vois, moi je dis que un handicap qui est très malheureux, c'est celui où ils peuvent pas parler et ils entendent toutes les conneries qu'on dit autour d'eux. Faut être un petit peu philosophe, hein.